Le regard d'une mère sur son enfant est toujours à la fois attendrissant et rassurant, mais lorsqu'il s'agit d'une réalisatrice sur son enfant cinématographique, il s'agit d'une vraie remise en cause. La réalisatrice dont nous allons parler aujourd'hui se passionne depuis toujours pour la remise en cause de la femme dans ses âges les plus ardents. Catherine Hardwick est une réalisatrice d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 30 ans. Celle-ci s'est depuis ses débuts passionnée pour les portraits de l'adolescence, mais si au fil de son histoire, elle a plus été passionnée par les portraits de femmes en général, mais toujours dans des stades de leur vie, les obligeant à se remettre en cause en tant que femme, en tant qu'être humain, mais toujours en tant que personne romantique, passionnelle et sexuelle. Le propre étant que peu importe le contexte qu'elle choisit de placer, la réalisatrice cherche toujours à mettre en scène des jeunes ou des femmes se questionnant, que ce soit par le regard de l'autre, l'envie de l'autre, ou plus simplement par leur propre évolution, ces personnages sont amenés à repenser leur mode de vie. Ainsi, au fil de ses longs métrages, elle a toujours cherché à se demander pourquoi à un temps donné, une personne, souvent adolescente ou dans la fleur de sa jeunesse, va se demander quelle est sa place, mais surtout ce que celle-ci lui demande de faire de sa vie. Que ce soit en s'émancipant de l'autorité lui pesant sur les épaules, en cherchant à braver l'interdit pour en comprendre ses ressorts, en se passionnant pour le regard de l'autre au point d'en tomber amoureux, ou en questionnant littéralement sa place dans le monde plus simplement, ces personnages souvent féminins se remettent alors en cause. Cette remise en cause mène alors son cinéma à se demander souvent quelle est la place de la femme dans notre société actuelle. Objet de désir, personnage fantomatique de l'histoire, image juvénile ou même simplette parfois, Hardwick joue avec tout cela pour rappeler tout simplement que la femme est un pilier. Un pilier dramatique, narratif, cinématographique, émotionnel ou même vital plus simplement, ces femmes deviennent alors des portraits de ce que nous avons de meilleur, parfois de manière niaise, mais toujours avec un reflet sociétal fort et puissant, remettant en cause nos idéaux, se rattachant parfois à notre enfance par le biais de contes ou de légendes, ramenant parfois le réel au cœur de ces récits de manière brutale et parfois même crue, ou cherchant plus simplement à montrer que la marginalité est une manière de se questionner, tel est le centre du questionnement cinématographique de cette réalisatrice. C'est ainsi qu'elle a construit son cinéma, en choisissant de nous parler de ce que nous avons de meilleur comme de pire, mais toujours de manière lumineuse. Même lorsqu'elle reprend en main un matériau qui ne demande qu'à être retranscrit, elle cherche à le remettre en cause pour questionner le spectateur. Hardwick fut souvent remise en cause dans ses choix cinématographiques, altérant œuvres symboliques et cultes presque instantanées et moments de cinéma commerciaux et crétins, tel fut le sort réservé à son art et à sa manière de le regarder. Mais jamais elle n'a perdu de vue cette idée que le cinéma, c'est avant tout parler des émotions et surtout de leur place au centre de l'évolution sensorielle et primaire de l'être humain, ces femmes devant souvent faire face à des questionnements sexuels et personnels, demandant au spectateur de créer un lien fort avec elles. Plonger dans le cinéma de Catherine Hardwick, c'est regarder l'être humain au féminin se questionner, dans tous les sens possibles, mais de la manière la plus personnelle qui soit. Cherchant souvent à remettre en cause son prochain, Hardwick voit dans le 7e art une manière de faire évoluer le regard de l'homme sur la femme cinématographique.